Donc, bonjour tout le monde. Vous allez avoir une petite affichette. Donc, accepter l'enregistrement. Je vous invite à cliquer dessus. Donc, nous sommes très heureuses avec Florence de vous retrouver ce soir pour un papotage tout particulier qui est autour de la gestation et des sevrages. Alors, moi, je suis très heureuse d'inviter Laurence et de. Voilà. Alors, certains d'entre vous, je pense, me connaissent grâce à la communication animale et au shiatsu. Il faut savoir qu'il m'est arrivé voilà, des expériences un peu paradoxales avec les humains en communication animale. Et du coup, je me suis tournée vers Laurence pour être accompagnée et coachée. Donc, on a travaillé ensemble et un grand merci pour. Voilà, parce qu'elle m'a beaucoup aidée à mieux comprendre aussi ce qui arrivait et ce que les animaux faisaient passer. Et donc, aujourd'hui, bah, c'est une façon aussi voilà, de te remercier et puis de te laisser sur ton champ de travail tout en complétant avec ce lien sur un sujet tellement, tellement important. Donc, je te laisse te présenter, Laurence. Merci à toi, Lucille. Merci pour cette invitation. Puis ça me touche beaucoup de pouvoir partager avec toi là sur ce fil qui nous relie, tu sais, de donner la parole à ceux qui ne peuvent pas comme s'exprimer. Et donc pour lever l'énigme, moi je donne la parole aux bébés, aux tout petits, je donne la parole aux enfants qui ne peuvent pas encore émettre en fait ce qui se joue pour eux. Et je permets aux parents de comprendre ce qui se passe pour les tout petits lorsqu'il y a des pleurs, lorsqu'il y a des problèmes de sommeil, lorsque un bébé a un symptôme, lorsque il y a des comportements atypiques ou particuliers, tout ce qui peut comme à un moment donné coincer en fait sur le parcours du tout petit et où finalement bah, la sphère classique allopathique a comme plus de réponse là, mais tout va bien, vous savez. Et les parents rentrent chez eux, mais ça n'a rien changé du tout. Et il y a comme là un spectre, un champ à ouvrir, à explorer et se mettre à l'écoute vraiment de la sagesse de cet être-là, de ce petit qui n'a pas la parole. Et donc moi, je me place là. Je me place comme intermédiaire en fait entre les parents et l'enfant. Alors ça peut être l'enfant à naître, ça peut être l'enfant à concevoir, ça peut être l'enfant déjà né. C'est vraiment vaste parce que bien sûr on se connecte, on est en relation avec voilà, la sagesse de cet être, cette part de lui qui est prête à réellement partager ce qui se joue là intimement. Et donc je permets d'apporter les mots en fait à ce qui se passe là pour que les parents puissent accompagner. Et aujourd'hui, ce champ-là de parole se limite plus uniquement à la parole, mais c'est aussi d'aller accompagner parfois j'ai envie de dire des mémoires ou en tout cas des traces qui sont sur le chemin de ce tout petit et qui ont besoin d'être mises en lumière, d'être juste libérées ou d'être juste comprises en fait ou mises en mots. Donc c'est voilà, c'est ma touche là qui me relie à la spécialité de Lucille et qui nous permet ben voilà d'offrir cette soirée-là particulière en lien avec aussi les moments que tu as nommés, hein, les moments tellement je veux dire tellement précieux de tout ce qui est la gestation, la venue sur Terre et puis les différents sevrages. Ouais, donc avec joie de partager ça avec vous. Bah écoute, oui, moi aussi, très très contente de partager ça avec vous. Et là, si ça te va, je te laisse commencer parce que tu viens de parler de traces et je te propose qu'on commence par ça. On verra peut-être la gestation après et puis après on verra les sevrages. Voilà, nos papotages, on se laisse guider et emmener aussi par un mot, par un fil. Et le bonheur, c'est de rebondir l'un sur l'autre par rapport à comment gérer à nos compétences et puis du coup de grandir et de vous en faire profiter. Il faut savoir que normalement nos papotages professionnels, moi c'est toujours ce que je dis aux gens quand je fais les papotages, il faut savoir que normalement nos papotages on se les fait mais sans nous mettre sur YouTube et sans auditeur. Mais on a des liens avec les autres professionnels, on grandit grâce aux autres professionnels. Mais souvent vous n'avez pas accès à nos papotages de pro. Voilà. C'est vrai. Et je trouve que ça c'est voilà. C'est intéressant de le faire sous une forme différente et que vous puissiez un peu être voyeur de ça. Hein? Alors, je te propose que tu commences par les traces et puis moi je vois bah, pour rebondir. Voilà. Yes. Vas-y. On sait déjà qu'on peut entretenir un papotage pendant un certain moment, Lucille et moi, donc. Oui. Et merci Lucille de mettre ça justement en lumière, en fait, comme ces connexions-là qui existent dans nos domaines différents et qui font aussi ressentir que tout est à un moment donné dans une forme de réseau, en fait.
C'est pas comme si on était chacune, j'ai envie de dire, comme détentrice de quelque chose d'unique. On se rend compte en partageant que ça se relie en fait en différents points et qu'il y a vraiment une richesse là qui fait que oui, il y a une forme, je vais dire, beaucoup plus aussi universelle ou épanouissante en fait à ce qu'on apporte. Et pour venir sur les traces, c'est amusant que tu démarres sur cette thématique-là parce que pas plus tard que ce matin, en fait, j'avais l'occasion de recevoir une maman qui avait mis au monde son bébé il y a quelques jours. Et donc, voilà, l'accouchement avait été vraiment particulier. C'était comme pas facile, facile, là. Il y avait eu un parcours particulier. Et donc, la maman avait le souci de mettre en mots ce qui pouvait, j'ai envie de dire, être là, présent pour le bébé, pour lui permettre de démarrer la vie de façon plus légère et de pouvoir aller se mettre à son écoute, tout simplement en fait dans l'ouverture, dans juste voilà, l'ouverture de cœur de cette maman vis-à-vis de son bébé, pas du tout par curiosité, mais vraiment par souci d'être disponible pour que ce bébé puisse éventuellement déposer quelque chose qui aurait été particulier pour lui sur ce passage. Et curieusement, en fait, ce bébé n'est pas du tout allé parler de son moment de naissance. On est allé comme remonter dans le temps, donc en se portant dans cette écoute, j'ai envie de dire très sensible, très subtile. On est allé se porter beaucoup plus tôt en fait dans le parcours, pas du tout dans le moment de la naissance. On est allé se porter au tout début, dans les quelques jours qui ont suivi la conception. Au moment où l'âme en fait est en train de comme concrétiser son premier pas là, son premier pas d'incarnation, commence à faire sa descente là en se disant oui, c'est bien réel, là je vais aller sur Terre, j'ai choisi cette famille-là et je vais démarrer mon chemin. Et la sagesse, en fait, l'âme, quand elle vient s'incarner, elle vient pas les mains vides, elle amène avec elle deux, trois affaires qu'elle s'engage, en fait, à traiter. C'est ce que nous connaissons, nous, tu sais, dans nos parcours, là, quand on se dit, bah, je vais faire mieux que mes parents sur ce sujet-là, parce que, je sais pas, moi, par exemple, ils n'ont pas eu facile à gérer, je sais pas, moi, leur vie financière, et puis on a choisi, nous, de faire autrement, de trouver une meilleure voie. Et là, ce bébé, en fait, très très tôt dans son parcours d'incarnation, il a choisi d'être comme le porte-parole, en fait. Comme s'il amenait avec lui, ok, quelque chose qui devait comme être mis à plat dans la famille et qui remontait bien au-delà de ça, qui remontait comme bien plus loin en avant. Et en fait, ça l'a. Ok, il était partant pour emmener ça, mais en même temps, sur son chemin, ça l'embêtait un peu, il y avait quelque chose qui coinçait, c'était pas comme fluide en fait, c'est comme pas aussi simple que ça de dire oui, je vais amener cette histoire-là avec moi, parce que cette histoire-là, en l'occurrence une histoire familiale, quelque chose qui était comme une manière de penser dans la famille, qui était comme assez limitante, mais comme on le sait tous là, on n'est pas tous éveillés depuis toujours là, et encore on l'est pas encore tout à fait maintenant, mais je veux dire voilà, il y a comme des traditions là dans les familles qui sont parfois lourdes à porter. Et ce bébé venait avec une conscience bien plus large, avec une sorte de légèreté et de facilité à aborder les choses. Que devenir en fait avec cette manière de penser de la famille, ça collait pas en fait. Il était comme pas tranquille ce bébé d'amener ça quand même avec lui, même s'il avait été d'accord qu'on mette ça en mots, qu'on mette ça à plat et que la famille se soulage aussi, que ça permette d'ouvrir les yeux sur un certain fonctionnement. Et donc le bébé, dans son parcours d'incarnation, il a comme gardé ce moment-là en trace. On a dû remonter à ce moment-là, c'était comme sa priorité pour s'alléger. Il y avait j'ai envie de dire, un shift qui s'était fait dans son parcours d'incarnation. C'était comme pas clair ce moment-là. Oui, j'accepte de prendre on va dire, cette tâche-là, cette mission d'être porte-parole de quelque chose. Et en même temps, pour moi, c'est déjà tellement obsolète que ça m'intéresse pas et j'ai l'impression de me charger de quelque chose voilà, qui est pas moi. Et c'était très touchant d'aller écouter ça parce que dès lors qu'on a pu mettre en mots que ce bébé jouait ce rôle, avait accepté ce rôle de porte-parole en fait, d'avoir cet espace de parole et de pouvoir juste dire voilà. Moi, je fais comme le lien, là, comme ça arrive parfois avec des défunts qui ont gardé quelque chose sur le cœur, là, ou ailleurs, hein, dans leur corps aussi, mais qui ont gardé quelque chose sur le cœur et qui ne peuvent pas se sentir légers de partir ou libérés pour rejoindre, voilà, leur espace de lumière sans avoir déposé quelque part ce message. Ben, c'était la même chose ici. Et ce bébé, dès qu'il a pu mettre en mots qu'il avait pacté, là, il avait été d'accord
de remplir ce contrat, d'amener ce message-là. Waouh, lui c'était bon en fait. Il était soulagé et en fait ce chemin d'incarnation, dans l'image que ça donne, il venait totalement se retricoter. Il y avait vraiment plus de, j'ai envie de dire, de part qui restait sur le chemin. Ça lui permettait de se sentir pleinement installé dans l'ici et maintenant. Et donc ces traces-là, ces traces qui se placent sur le parcours d'incarnation ou de gestation, elles sont beaucoup plus impactantes, j'ai envie de dire, que ce qu'on a en conscience de porter comme attention de manière comme classique. Si on ne mettait pas ça en mots, on n'aurait pas soupçonné en fait qu'il y avait ça. Et pour autant, c'est la première chose que ce bébé a eu besoin de partager, alors qu'il avait vécu une naissance quand même assez atypique, assez stressante, qui avait eu voilà, des inquiétudes, tout ça. Il n'a pas eu besoin de remonter là. Ce qui vraiment l'allégeait, c'était d'aller retrouver cette part de lui qui était restée comme dans l'incompréhension, dans l'incohérence d'une certaine manière. Et retrouver sa complétude. Là, maintenant, ça passait par ça. Donc, ça paraît comme assez futile, on pourrait dire. Et en fait, pour l'enfant, pas du tout. C'est quelque chose qui laisse vraiment profondément, j'ai envie de dire, oui, une trace énergétique dans son parcours. Et qui fait qu'il n'est pas tranquille. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je l'ai aussi en communication animale. C'est peut-être pas seulement sur le fait d'être pas tranquille. Tu vois, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte chez l'animal. Alors, chez le cheval, c'est un peu plus long, ça met 7 ans. Mais. Chez le chien, voilà, c'est une année. Enfin, tu vois, tout est très raccourci. Hein? Donc, ils grandissent démesurément, surtout quand c'est des grands chiens, quoi. On peut avoir allez, des chiens de 8 semaines qui sont déjà à 9 kilos. Enfin, c'est, tu vois, des Saint-Bernard, enfin, voilà, pour arriver à 70 kilos, bon, voilà, c'est hallucinant la capacité de grandir. Donc, c'est. Il y a une forme d'inquiétude et une sensation de ne pas comment savoir s'approprier tout ça. Tu vois, je peux te donner un exemple. J'ai eu par exemple un chien qui disait c'est un petit peu particulier parce que le grand-père il est calme et. C'est vraiment un chien d'attaque, c'est vraiment un chien de garde, voilà. Mon père, il est très sportif. Et ma mère, bah, elle est juste mère, quoi. Mais elle s'en fout, mais de tout, quoi. De tout. De tout. Garder, elle s'en fout. Faire du sport, elle s'en fout. Voilà. Ben, d'accord, oui, ok, mais moi, voilà. Et c'est très intéressant parce que donc c'est berger allemand, tu vois, donc c'est des chiens qui sont dans le travail et que là, voilà, l'éleveur a choisi de faire une portée pour qu'il soit quand même un peu plus famille et qu'il soit moins pour agent de sécurité, pour police, tu vois, tout ça. Donc ils ont choisi une bonne louloute, une chienne de famille. Sauf que avec les origines du père, le jeune chien, c'est bon, ok, mais je fais quoi moi? Je suis pantoufleur, enfin, je sens quand même des choses, j'ai des odeurs et puis je sais les origines. Voilà, il y a quelque chose où je m'explique les couleurs du grand-père, tu vois, les couleurs du père. Donc il y a des choses très particulières en communication animale où l'éleveur, tu vois, peut dire oui, c'est ça, mais ils savent exactement, il y a cette trace génétique, énergétique de cette force des générations passées, puis ils les voient aussi, tu vois, quand ils sont petits, à l'élevage, ils voient le père, ils peuvent voir le grand-père aussi quelquefois. Et la sensation, bon, ok, je fais quoi avec tout ça? Quel modèle je me choisis? Comment je me pose dans cette lignée? Comment je me sens accompagnée ou pas?
dans cette lignée, parce que la sensation, c'est avec la mère, ça va pas. L'impression qu'elle n'est pas présente, qu'elle est vraiment bonne patte, voilà, mère. Et du coup, il n'y a pas de cadrage, il n'y a pas de jeu de mordiment, il n'y a pas de stop au mordiment, enfin, il n'y a pas tout ça, parce qu'elle n'est pas non plus habituée à cadrer des chiots, qu'il faut quand même cadrer pour qu'ils ne deviennent pas dangereux, quoi. Elle n'est pas habituée à tout ça. Donc elle se laisse faire, elle est chahutée par ces jeunes chiots. Et il y a quelque chose, tu vois, c'est bon, jusqu'où ça va, quoi, ça, c'est Oui. comment, moi, là-dedans, tu vois? Oui, tout à fait. Et c'est interpellant ce que tu dis là parce que je me rends compte à quel point pour l'animal, mais en fait c'est vraiment en parallèle comme ça aussi avec le jeune enfant, il y a des moments comme d'incompréhension. Tu vois, ils peuvent voir la situation, ils la constatent, ils la perçoivent, mais il manque le sous-titre en dessous pour se dire, ah ok, c'est ça qui se passe. Et ça crée comme une sorte de bug. Et sur ce bug, ce que moi j'observe, c'est que ça limite en fait vraiment la possibilité de s'investir dans ce qui est important pour eux. C'est comme si à un moment donné, tu sais, il y avait dans la tirette un accroc, tu peux pas monter plus haut la tirette parce qu'il y a cet accroc, et donc ça ne libère pas le plein, j'ai envie de dire la pleine disponibilité, le plein potentiel à l'enfant de pouvoir se consacrer à ce qui est utile à lui, c'est-à-dire utile à grandir, utile à s'intéresser à ce qui l'entoure, etc. Parce qu'à un moment donné, il y a un truc qui est resté comme pas clair. Et c'est un peu ce que j'entends dans l'histoire de ce chiot, là, tu sais, il se dit, mais bon, alors moi, là, à quoi je fais référence? Comment je m'en sors? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je me relie, en fait? Et il y a plein de Oui, situations comme ça qui sont mises en mots par les petits. Et voilà, il y a ce besoin d'éclairer, en fait. tu as vraiment raison. Il faut savoir qu'ils quittent aussi leur famille très tôt. Voilà, on dit qu'avant 8 semaines, il ne faut pas qu'ils quittent leur famille, notamment pour les chiens. Mais allez, 8 semaines, c'est vraiment tôt, tôt, tôt. Si ça peut être 9 ou 10, 11, 12, allez, ça serait bien que ça soit 12. Que ce soit 3 mois avec la mère, voilà, avec le père, enfin voilà, une sociabilité, parce que là, quand ils quittent le giron de leur élevage, c'est comme si nous, tout petits, d'un seul coup, nous voilà élevés par des singes ou des cochons ou des oiseaux ou je ne sais quoi, mais en tout cas, pas des humains. Donc, ça aussi, il faut s'en rendre compte, c'est que ce petit être, il va perdre. S'il est l'animal unique de la maison, il va perdre tout modèle chien. Voilà. Et donc, comment on devient un chien quand on n'a pas de modèle chien? Ça, c'est des questions, moi, qui m'interpellent énormément, tu vois. Et quelquefois, ils ont des modèles chiens, mais j'avais eu comme ça un border collie en communication animale. Et la première chose qu'il me dit, mais moi, je ne suis vraiment pas un chien comme les autres, hein, mais j'ai rien à voir avec les autres. Hein, mais rien, hein. Dans la maison, il y a d'autres chiens, mais enfin, je ne sais même pas si c'est des chiens. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc, la propriétaire, elle se marre, puis elle me dit, vous pourriez les décrire. Il me dit, mais c'est un truc de fou. Ça couine comme des bébés. Ça saute partout. Ça a des poils partout. Je ne fais pas la différence avec le devant et le derrière. Donc, elle était explosée de rire. Et en fait, tu vois, ce border collie, il vivait avec des teckels poils longs. Il sautait partout. Il sautait partout, sur le canapé, la table, tout. Et évidemment, tu sais, la petite voix aiguë des teckels. Tu vois? Et donc, il les regardait en disant, mais, ah oui, non, mais, non, non, je ne suis pas comme ça. Je ne me sens pas comme ça. Donc, quel est mon modèle? Parce que je n'ai pas de modèle, en fait. Je les regarde délirer sur le canapé, sauter, couiner, aboyer comme des dingues, comme des bébés chiens, mais c'est pas moi, ça me correspond pas, j'ai pas envie de devenir comme ça, j'ai pas envie d'attraper ce modèle-là. Mais donc, je prends qui comme modèle? Qui devient mon référent, tu vois, pour me dire, ah ouais, lui, il est top, ah ok, oh, j'ai envie de devenir comme ça. Là, il y a quelque chose qui m'intéresse, tu vois, j'ai les chiens qui vont entrer tout ça. Tout à fait avoir ça chez des jeunes chiens qui disent, oh, je connais un chien, il est beau, il est sage, waouh, c'est comme ça que j'ai envie d'être.
Ouais, Voilà. Et puis il est l'inspiration. sportif, il est calme. C'est comme ça que j'ai envie d'être. C'est ce que j'ai envie de devenir. Oh, c'est... Et puis des chiennes, notamment, qui peuvent devenir amoureuses, tu vois, d'un mâle, ou un mâle qui peuvent devenir amoureuse d'une chienne. C'est le modèle, mais c'est aussi l'histoire de la camaraderie, de l'amitié, mais aussi de l'amour, tu vois, le regard qui pétille. Waouh, c'est. Je veux vivre avec un comme ça, quoi, tu vois, je veux créer quelque chose avec. Avec un comme ça, quoi, tu vois, un chien comme ça. Et là, ce barbare, il disait, mais non, mais c'est vraiment rien à voir, quoi. Mais alors, vraiment rien. Rien. Je sais pas comment je vais faire, mais pas ça, quoi. Tu vois? Donc, et oui, mais là, tu vois, c'est donc, bien sûr, permettre de voir des chiens de la même race, permettre de voir ce que c'est que ces chiens qui travaillent au troupeau. Faire des balades canines, aller en club, donner de la sociabilité, montrer qu'il n'y a pas que des teckels dans la vie, voilà, et qu'effectivement, il n'est pas obligé de prendre un modèle teckel et qu'on ne lui demande pas d'être un teckel. Et il ne se voyait pas, tu vois, en train de sauter partout et de couiner et d'aboyer comme ça avec une voix de bébé. Et tu dis, mais non, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Et c'est important qu'il puisse être rassuré de dire, bon, écoute, tu n'es pas obligé de devenir comme ça. Ah, ouf, déjà. Je ne suis pas comme ça et t'es pas obligé. Ouf. Tu vois, je trouve qu'il y a de l'important dans cette parole libératrice. Je ne sais pas si toi tu as ça aussi quand tu travailles avec les bébés et les familles. Mais quand tu vois, quand là, moi le chien il me dit mais je ne suis pas comme ça, j'ai rien à voir avec eux, c'est pouvoir leur dire mais oui, tu as raison, t'as rien à voir avec eux, tu es toi d'abord. Voilà. Et tu as le droit d'être différent, tu as le droit d'être un autre et tu n'es pas obligé de prendre ce modèle-là. Ah! Ok, bon, ça c'est fait, c'est dit, et maintenant c'est comment tu deviens toi? Comment tu puises en toi cette force pour trouver ton chemin de vie et aux humains qui sont près de toi, comment ils t'accompagnent pour que tu puisses trouver ton chemin et tes modèles par rapport à ta génétique et aussi par rapport à des choses qui peuvent te plaire ou pas, parce que la génétique c'est une chose, mais tu n'es pas forcé de faire comme tous tes aïeux, tu peux aussi faire des choses qui te plaisent qu'à toi et tu as ce droit-là. Voilà. Tu Ouais, je vois, je vois trouve ça, bien. il y a deux temps. Moi, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il y a deux temps. Mais c'est hyper intéressant de voir cette, à la fois cette conscience-là, ce questionnement, cette conscience de la part de l'animal, et puis aussi ce, comment j'ai envie de dire, ce décalage en fait aussi dans, ok, qu'est-ce qui est perçu, là, vu par l'humain de l'extérieur, là, qu'est-ce qui est perçu en fait jusqu'à où on a conscience de ce qui se joue. Et moi, c'est là que je fais un peu un parallèle, en fait, avec le bébé par rapport à ses parents. C'est que très souvent, en fait, dans les conversations de maintenant, c'était pas vraiment comme ça quand moi j'ai démarré. Quand j'ai démarré, on parlait de choses comme de tous les jours, là, des choses très terre à terre, très, ok, je dors pas, mais c'est parce que mon lit est trop dur, ou enfin, voilà, des choses comme très concrètes. Là, aujourd'hui, maintenant, les conversations, elles changent beaucoup parce que les bébés, et les tout petits, c'est des enfants plus grands aussi, hein, mais voilà, la plupart du temps, c'est quand même aux petits que j'ai affaire, on va dire. eux viennent vraiment avec un mode assumé de fonctionnement qui est fondamentalement assez différent de ce que nous avons, nous, acquis en tant qu'adultes aujourd'hui. Ils ont des manières de voir les choses, ils ont des manières de penser, ils ont des manières d'envisager la vie qui sont assez en. Je vais pas dire en fracture, mais réellement différente en fait de ce qu'il y a dans l'héritage familial. Et le travail est plus à aller amener en fait les parents à considérer que leur enfant puisse avoir un mode de pensée différent, puisse avoir un mode de réflexion différent, un mode de perception différent. Et donc quelque part, le message, il va un peu dans l'autre sens. Il va d'essayer de se faire se rejoindre la réalité de l'enfant vers les parents. C'est-à-dire que c'est vraiment l'invitation non plus à ce que l'enfant s'adapte aux parents, mais c'est aussi le mouvement inverse, c'est de permettre aux parents de respecter quelle est cette nature-là de l'enfant maintenant. Et les enfants posent ce genre de demande-là aujourd'hui. C'est quand même assez édifiant parce que c'est comme là, ils sont dans une. J'ai envie de dire dans une forme d'aplomb par rapport à qui ils sont,
qui est comme mais décapante quoi. C'est pas juste oui, j'ai besoin de savoir à quelle heure je vais manger parce que ça me stresse de pas savoir. Non, on n'en est plus comme là. Oui, il y a des questions comme ça qui viennent encore. Mais réellement, j'ai comme ça un exemple qui me revient. C'était des parents qui s'adressent à moi qui étaient assez stressés. Puis le bébé, là, il était en gestation à peu près à 7 mois et puis il s'était pas retourné encore. Alors dans le process de gestation, c'est quand même un moment clé, on va dire, que le bébé se présente la tête en bas. C'est pas comme obligé, le bébé, il pourrait naître en siège et c'est comme pas tellement différent. C'est juste qu'on en fait toute une histoire autour, mais physiologiquement, c'est pas tellement, tellement différent. Et là, les parents avaient fait appel à moi pour que on puisse écouter ce bébé. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas encore retourné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente, qui le dérange? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui est comme sur son chemin là, et qui pourrait être écouté? Et on se porte à l'écoute de ce bébé. Puis moi, j'entends surtout vraiment les parents, le stress des parents, ce côté comme très, t'sais, un peu se mettre la pression là. Vraiment, ok, il y avait déjà un premier enfant, c'était comme déjà toute une gestion là, mais alors un deuxième, ça devenait comme, waouh, quelque chose de fort là pour eux, et c'était assez déstabilisant et assez stressant. Et le bébé vient mettre en mots, mais moi j'ai besoin de prendre mon temps. Moi ça me va pas un rythme comme ça, un rythme où on est tout le temps speed, où on est tout le temps à la course. Moi c'est pas mon rythme. Et on met ça en mots. Et c'était comme tellement à des années-lumière en fait du système de fonctionnement que la famille avait déjà mis en place. C'était comme juste en rupture d'une certaine manière. C'est comme ils s'attendaient à ce que oui, le bébé va naître et on va comme le calquer là dans le modèle qu'on a déjà établi et il va suivre le même modèle et ça va rouler comme ça. Et ce bébé-là, il s'est pas retourné parce qu'il avait besoin aussi de dire non, non, mais ça, c'est pas mon rythme. Moi, mon rythme, c'est pas d'être à la course tout le temps. Mon rythme, c'est de savourer les choses, c'est de profiter. Et il a invité ses parents, pour les 2 mois de gestation qui restaient, il a invité ses parents à se poser, à prendre le temps d'apprécier que ce bébé était là dans le ventre, là, que c'était pas comme déjà 2 mois plus tard et que ça allait être la course parce qu'il y en avait deux plutôt qu'un et compagnie. Il a amené cette manière-là d'aborder la vie qui était vraiment différente. Et donc, dans cette écoute subtile, évidemment, le travail, c'est toute la, j'ai envie de dire, toute la manière d'amener les choses pour que ce qui tient réellement à cœur au bébé, parce que moi c'est ma priorité, ma priorité c'est le bébé, c'est qu'il soit entendu dans ce qu'il respecte, dans qui il est, dans son essence à lui. C'est d'amener cette réalité-là de manière suffisamment comme palpable et touchante pour que les parents puissent cheminer avec cette donnée-là, en fait, puissent réellement comme prendre en considération d'adapter au minimum leur chemin. Et de comme s'assouplir pour permettre aussi à ce bébé de vivre dans sa nature à lui. Et ça après, ben ok, les dés sont jetés, j'ai envie de dire. C'est comme ok, le message il est passé, et puis voilà, chacun fait son chemin par rapport à ça. Mais c'est pour montrer combien aujourd'hui ça a changé et combien il y a ce côté où c'est le bébé qui demande à être respecté réellement en fait. À être vraiment comme reconnu dans qui il est. Et donc il y a voilà, il y a ce côté comme éducatif, j'ai envie de dire, même si c'est peut-être pas le mot le plus juste, mais dans cette forme-là de séance de travail, il y a voilà, ce fait de communiquer et de ramener comme d'autres possibles dans la conscience des parents. Comme toi, j'imagine, tu dois l'avoir aussi quand tu rencontres là ces maîtres qui ont des races différentes là et qui doivent comme envisager que oui, il n'y a pas que des petits qu'il faut s'adapter aussi. Tu vois, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que pour finir, tu vois, avec ce chien, avec ce border collie, donc il était extrêmement en vigilance et à regarder les teckels, il les observait en disant mais je comprends pas et je veux pas être comme ça, mais tu vois, il se posait, il les regardait, mais tu vois. Et l'interprétation que faisaient les maîtres, c'était il fallait prendre pour ses moutons, il les surveille. Ah, mais tu vois, l'interprétation, c'était pas, mais pas du tout ce chien qui essayait de comprendre en disant non, mais là, non, quoi, pas moi.
M'y ferai pas. Voilà, mais je regarde quand même, j'essaye de piger, mais non, 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 non. Non, pas ça. Voilà. Et tu vois, on en voit beaucoup, moi j'en vois hein, dans ma pratique beaucoup chez les éducateurs canins. Et éducateurs canins, déjà, je trouve que le mot est. Les éducateurs canins le savent, et moi je le dis à mes clients, le chien c'est tout. Donc on en voit chez éducateurs canins, mais c'est pour éduquer l'humain. Sauf que ça la fout mal de dire on vous envoie chez un éducateur humain pour travailler avec votre chien. Donc le seul truc qui a été trouvé, c'est éducateur canin. Mais c'est faux, on n'est pas là pour éduquer le chien, on est là pour permettre au maître si tu veux, éducateur canin, de comprendre son chien et donc de trouver les clés qui vont correspondre à son animal et à son chemin de vie pour avoir un chemin possible ensemble, créer Oui. ensemble un chemin du possible. Tu vois? Donc la communication, elle a un rôle énorme d'orientation, tu vois, par rapport à ça. Et je trouve que là, ça rejoint ce que tu disais. Et puis, j'avais aussi envie de rebondir sur quelque chose. Il y a de ça une dizaine d'années, la communication animale était peu connue. Et ça s'est fort divulgué depuis 5 ans. Un grand mystère, communication animale partout. Donc, pouvoir l'afficher aussi officiellement, tu vois, parce qu'avant, on disait communication animale, il fallait commencer à l'expliquer. Donc, moi, je disais plutôt, j'ai des flashs, tu vois. J'étais beaucoup moins précise sur le mot communication animale, tout simplement parce que il fallait que je bosse et si on me posait trop de questions, je ne pouvais pas bosser. Donc, je disais, j'avais des flashs, on m'appelait la voyante pour chien. Enfin bon, tu vois, c'était. Mais on ne posait pas le mot communication animale. Mais ça m'allait très bien, je n'avais pas de soucis quand on m'envoyait un message en me disant, c'est bien vous la voyante pour chien ou la voyante pour chevaux? Oui, c'est bien moi la voyante pour chevaux. Bon, alors c'est vous, alors, tu vois. Bon, donc, cette époque-là, tu vois, j'ai l'impression après de parler d'un temps de dinosaures. Mais ça rejoint ce que tu disais. Quand on me disait, bon, ok, je vous envoie la photo de mon chien et tout, très souvent, j'avais les chiens qui commençaient par me mettre un point d'interrogation. Mais écoute, c'était visuel, incroyable. Je voyais un point d'interrogation, ils me regardaient, et c'était à me dire, non, mais ça va, voilà, animal, il nous parle, il nous entend. Il y avait déjà, tu vois, le fait. Non, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Et du coup, donc il commençait à se délier, à se libérer. Et donc, c'était des choses un petit peu sur la méfiance. Mon coussin, il est bleu. J'ai encore ça, si tu veux, mais ça restait sur des choses. Tu vois, c'était tout de suite des preuves. Le coussin, il est bleu. Le propriétaire, oui, le coussin, il est bleu. Ah ouais, ok. Autre chose, voir si ça marche. Tu vois? Il faut savoir que là, aujourd'hui, animaux domestiques ou sauvages, tout le monde, tous les animaux sont au courant que la communication animale existe. J'ai plus de points d'interrogation. Ils se sont passés le mot. Ils ont grandi avec ça. L'ouverture de conscience, de leur conscience, sur le fait qu'il y avait des humains qui essayaient de se rapprocher à nouveau de ça, c'est bon, c'est réglé. Donc, comme tu disais tout à l'heure, moi, pareil, j'ai plus, mais plus du tout le même discours. Tu vois, je peux avoir des animaux qui attendent. J'ai des gens qui me disent, bah écoutez, on lui a dit hier que c'était le rendez-vous aujourd'hui. Depuis hier, il me colle, il me scotche l'air de dire, ah bon, je ne vais pas rater l'heure. Donc Je vais voilà. pas rater Ils sont l'appel. plein de choses, tu vois, qui changent vraiment de comportement parce qu'ils savent que la CA, ça va arriver. Et puis là, quand tu leur dis, bon, bah, ok, c'est là, oh, mais ils se lâchent, ils se lâchent, tu vois. Je peux, par exemple, avoir comme première phrase, je suis obligée de tout faire, moi, ici. Pouf, tu vois, ça commence comme ça. Je suis obligée de tout faire, tu vois, moi, ici. Et j'ai eu, tu vois, cette semaine, une malinoise réactive. Qui disait ça, et donc je dis, bah écoutez, on va la laisser s'activer parce que voilà, la propriétaire se prend ça aussi, hein, comme c'est pas facile, hein, tu vois, de prendre ça comme première phrase, un sujet de tout faire. Et donc elle dit, c'est pas que je suis réactive, c'est que la personne qui me sert de maître, elle est rêveuse et lente. C'est pas que je suis réactive.
et qu'elle ne fait pas son taf. Elle sait que j'aime pas les autres chiens. Elle le voit, l'autre chien. Moi aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien. 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 Donc, qu'est-ce que je peux bien faire à part être réactive? Ben, rien. Elle continue. Elle voit qu'il y a un autre chien sur le trottoir. Elle voit qu'elle sait que je n'aime pas ce chien-là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Rien. On ne traverse pas, on ne carre pas, rien. Donc qu'est-ce que je fais? Je démarre. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Elle ne réagit pas. Elle ne réagit pas. Et dans la maison, pareil. Dans la maison, pareil. Voilà. Je dis une fois, deux fois, trois fois que j'ai faim. C'est l'heure. Ça va pas. J'ai trouvé un truc, hein, ça marche à tous les coups. Je renverse la gamelle de flotte. J'en mets partout. C'est vrai, c'est fait. Ouais. Je dois tout faire. Je dois rappeler la bouffe. Donc, voilà. Et la sensation, c'est ça me stresse tout ça. J'ai pas envie de vivre comme ça. J'ai envie que l'humain fasse sa part. Et c'est un malinois. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'exigences. Ça réagit pas comme un bichon. Hein? C'est quand même des chiens qui sont assez comme du caractère. Compliqués et complexes. Tu vois, qui ont des exigences, qui ont des besoins, tu vois. Et s'il n'y a pas de nom, ben, ils ne sont pas bien parce qu'ils ont besoin du nom pour se construire et pour s'apaiser. Tu vois, donc ils sont des maîtres pour l'humain par rapport à ça. Parce que là, ils forcent l'humain à aussi pouvoir mettre des barrières, faire des, tu vois, donner un cadre. Et dans ce cadre, comment on s'épanouit? Donc, tous les chiens, comment je dirais, aident l'humain aussi à se grandir. Mais le malinois, tout particulièrement, mais il faut être prêt à ça, tu vois. Comment on donne un cadre où l'autre va rebondir sur le cadre comme une balle de ping-pong pour tester, pour élargir le cadre, et ensuite, comment il sait que dans ce cadre, il va pouvoir s'épanouir, être lui, et s'apaiser, se poser, et donner le meilleur de lui-même, parce qu'il sait qu'il peut compter sur l'autre, vu que l'autre a donné le cadre. Bah, c'est qu'il est là, c'est qu'il est présent, c'est qu'il n'est pas lent, et c'est qu'il n'est pas rêveur. Voilà. Donc, tu vois, il y a une demande aussi en face. Mais aujourd'hui, ils sont cash. Ils sont plus à dire pour l'interrogation. On parle. On parle. Ouais. La tribune est là, quoi. Ils montent dessus, quoi, vraiment. Oui. 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 Et ils sont très, 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 je trouve, par rapport à 5 ans, tu vois, ou 10 ans, très, très, très insistants. Très, très, très insistant. Tu vois, j'ai mis comme anecdote cette semaine sur ma page, j'ai une chienne qui dit, bon, bah, la couette, mon coussin, allez, il y a un endroit, il n'y a plus de couette, enfin bon, voilà. Puis donc, il décrit, tu vois, le fond très foncé, bleu marine gris foncé, des dessins beiges, des taches jaunes. Donc, je me retrouve à dire, sur votre couette, il y a des taches jaunes. Donc, en même temps, je me dis, bon, tu vois. Mais des fois, ils m'en font, tu vois, quand même, pour dire les choses. C'est pas toujours évident. Non, nous, on n'a que des couettes blanches et des couettes unies, ou la blanche avec des petits dessins. La chienne qui insiste. Non, le soir, ils m'envoient la photo. Bah, tu parles. C'est leur couette. C'est leur couette. En fait, ils n'est pas de leur couette. Donc, je leur ai même dit, bah, elle est bonne. Donc, vous ne souvenez pas de votre couette. Bah, en fait, il n'y a que le chien qui dort là, pas les maîtres. Oui, bah, la chienne vient faire 30 minutes de câlin tous les soirs, puis après elle redescend. Si tu veux. Mais elle est autorisée à monter sur la couette pendant 30 minutes, c'est le gros câlin avec ses maîtres, et après elle redescend. C'est son petit moment de rituel. Tu vois. Mais, donc elle insistait, mais si. J'écoutais, il me dit, bon, on va chercher. Bah, je dis oui, j'ai écouté chercher parce que. Tu vois, à un certain stade, moi je dis ça, je dis écoutez, cherchez, parce que le chien insiste tellement, puis le soir il m'envoie la photo. Je ne savais pas la couleur de votre couette. Tu vois? Ouais. Mais. Tu vois? Ouais, ensuite, ouais. Ils m'ont expliqué, elle est réversible. La blanche à dessin, tu sais, elle est réversible. Et normalement, ils ne la mettent jamais de ce côté-là. Et là, depuis plusieurs nuits, ils ont changé de couette. Parce que tu rentres dans l'intimité des gens, c'est ça aussi le truc. Tu te retrouves à parler de couette, de lit, de. Oui, c'est un des principes. Ils y vont tout de suite. Non, vas-y.
Non, mais ça m'évoque que c'est un des principes aussi que, en fait, quand l'enfant a quelque chose à exprimer, je pars de ce point-là qu'il a raison dans ce qu'il dit. Tu vois? Ça, c'est comme pas négociable, là. Ce qui est mis en mots, c'est la manière qu'il a, lui, de percevoir les choses, de vivre les choses, de les ressentir, même si ça colle pas dans la perception de ses parents ou des adultes qui l'entourent, tu sais, si c'est à la crèche ou ailleurs, là, eux, ils ont peut-être pas cette manière-là de voir. Mais pour l'enfant, c'est tellement net que c'est cette manière-là de voir les choses. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est aussi ça, dans une certaine manière, qui est éducatif, c'est que quand on accorde juste comme point de départ cette vérité-là qui part de l'enfant, de celui qui n'a pas la parole, là, tout d'un coup, on lui dit, on se met à son écoute et on entend sa version à lui. Ça permet comme de changer le regard, de changer le point de l'observateur, en fait. Parce que j'ai envie de dire que un des travers qu'on a peut-être en tant qu'adulte lorsqu'on accueille des petits, c'est que on s'imagine qu'ils pensent tout comme nous, ils voient tout comme nous, ils imaginent tout comme nous, ils attendent tout comme nous, comme si c'était vraiment des petits de nous, là, des petites miniatures. Et en fait, c'est tellement pas ça. C'est tellement autre chose, en fait. Ils ont déjà tellement pour eux quelque chose de waouh, tellement présent, tellement singulier, tellement qui leur appartient. Que ça en est précieux aujourd'hui de pouvoir écouter ça pour permettre qu'ils puissent aussi garder autant que possible cette forme d'authenticité. Que quand un tout petit vient au monde, il est en mode survie. S'il se fait pas entendre et s'il se fait pas remarquer pour avoir à manger, c'est le propre de l'homme, là, c'est qu'il meurt en fait. Il est vraiment dépendant de l'autre. Il a vraiment besoin d'être dans cette forme d'adaptation pour être sûr qu'il va être nourri, accessoirement aimé, mais c'est comme vraiment le premier principe de survie, c'est vraiment d'être nourri. Et donc, il y a cette forme de malléable en fait, d'aller se mouler, d'aller se créer sa personnalité. En fait, c'est aussi simple que ça, créer sa personnalité pour survivre en fait. Et aujourd'hui, en donnant la parole, ça permet quand même de développer une personnalité qui est plus proche aussi de cette nature authentique, qui est plus proche de ce que réellement l'enfant aimait. Dans, j'ai envie de dire, 9 cas sur 10, ce que l'enfant va mettre en mots, on s'y attend pas. Parce que le regard qui est posé, c'est un point d'observation qui est le point d'observation adulte. Et ce que l'enfant raconte, mais c'est tellement vu d'un autre point de vue, que ça peut jamais, ou 9 fois sur 10, quoi, ça peut jamais comme être la même chose dont on va parler. Parce que c'est tellement singulier, en fait, la perception, c'est tellement comme pas transposable à nos perceptions, ou à notre manière de voir, ou à notre manière de penser. J'ai toujours comme cet exemple quand j'avais mes jeunes enfants et j'allais au supermarché, et si mon plus grand, là, il était comme un peu acheviné, là. Il était un peu râleur. C'était un peu trop long, là, d'aller faire les courses et que ça, ça ruait un peu dans les brancards. Et cette image de la petite dame, j'ai envie de dire pas mal intentionnée, mais qui vient vous dire comme ça dans le blanc des yeux, mais il est fatigué. Mais en fait, non, il n'est pas fatigué. Ça tombe, c'est pas ça du tout, en fait. C'est juste peut-être que la musique est trop forte dans le magasin, c'est juste qu'il a envie d'aller faire autre chose, c'est juste que il est pas bien installé parce qu'il a trop chaud et que le petit siège, ça serre. Ça peut être plein plein de choses parce que vu de l'enfant, on va avoir une multitude de sources qui n'auront pas été soupçonnées par l'adulte. Et c'est tout cet apprentissage d'apprendre à voir comment l'enfant peut voir, comment l'enfant peut percevoir. Et du coup, quand tu parles de cette couette-là, c'était comme tellement clair pour l'animal, et ok, les adultes, ils ne l'avaient pas vu comme ça, enfin les maîtres, là en l'occurrence, ils ne l'avaient pas vu comme ça. Et c'est tout cette convergence, j'ai envie de dire, qui fait que oui, à un moment donné, là, il peut se passer quelque chose qui, pour moi, ça rejoint juste la vibration de l'amour, c'est juste qu'on peut, waouh, on peut se rencontrer là. Donc, tout d'un coup, Oui. on commence à parler de la même chose. Tu as raison, c'est vraiment comment on accepte la parole, la vision de l'autre, dans un échange, bien sûr, mais surtout avec un changement de paradigme. Et, tu vois, moi j'ai déjà eu, par exemple, un chien qui me disait, voilà, telle personne avec ses gros mollets, les baskets blanches avec
des lacets fluo orange et qu'il n'y a pas toujours les deux mêmes chaussettes. Oui, bof. Quand elle vient à la maison, elle part plus, puis elle met des morceaux de chips partout. Et puis c'est pas chouette parce que moi je vais manger les chips et après les chips, je suis pas bien, je suis malade. Tu vois? Et la propriétaire me dit, je vois à peu près qui c'est, mais est-ce que vous pouvez demander au chien si elle est blonde ou si elle est brune? Et j'ai le chien qui me répond, bah, de toute façon, je vois que c'est mollet puis ses chaussures. Je suis pas à la même hauteur, je vois pas ça, moi je suis en bas du canapé, je vois pas le truc. Et quand elle arrive, je repère l'odeur, les monnaies, les chaussures, voilà, le fait qu'elle marche un petit peu en voiture ou plantée. Voilà, il sait décrire tout le bas, mais le haut, il sait pas me le décrire parce qu'il n'est pas à la bonne hauteur. Et après, de toute façon, il se rapproche. Donc, il n'est jamais suffisamment loin pour pouvoir dire blond, les cheveux longs. C'est pas son nom, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Tu vois, Ouais, ça c'est va ça. être voiture plantée, les gros mollets, telle odeur, laisse tomber des chips, ne part plus. Voilà, des choses extrêmement concrètes, mais de son monde, de son monde à lui. Tu vois, je trouve que c'est très intéressant. Ils peuvent aussi faire. Ils sont très fins aussi pour faire des descriptions de l'âge mental et de l'âge émotionnel. Tu vois, j'ai déjà eu un jeune chien qui me disait, oui, mais telle personne, voilà, c'est juste une gamine qui s'amuse avec ses jouets. La propriétaire me dit, on n'a pas d'enfant à la maison. Je dis, non, non, c'est votre nièce. C'est une adulte. Mais le chien percevait qu'il y avait un blocage, tu vois, dans le développement. Et j'envoyais, tu vois, vers médecine chinoise et tout ça, parce que c'est un développement qui a été bloqué très, très, très tôt, et qui aujourd'hui, à l'âge adulte, fait qu'il y a quelque chose, tu vois, qui ne s'est pas développé normalement sur la maturité émotionnelle et la maturité mentale. Elle me dit, oui, c'est ça, ça énerve tout le monde. Je dis, bah, oui, mais là. Elle ne peut rien, quoi. Tu vois? Et pour moi, il y avait eu un tir tourné à la naissance. Il a été remis, si tu veux, mais qui ne fait toujours pas un bon retour et une bonne jonction au sol. Donc le chien voyait qu'il continuait, tu vois, d'avoir quelque chose. Mais tout ça veut dire qu'on n'a pas les pieds sur terre et qu'effectivement, après, on n'acquiert pas une maturité. Hein, et le chien décrivait ça. Tu vois? Donc même jeune, ils ont une perception fine de l'environnement et cet autre paradigme voilà, que tu décris avec les bébés, on l'a vraiment avec les autres, avec les animaux. Hein. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de voir les considérations en fait. Quel est le regard que eux portent, quelles choses ont de l'importance en fait pour eux. Et c'est tellement pas ce à quoi on s'attend en tant qu'adulte, quoi. Ou en tant qu'humain quand on parle des animaux, mais c'est beau de voir aussi combien aujourd'hui, à travers ces pratiques-là, on peut rendre ça visible, on peut mettre ça au grand jour, on peut mettre ça dans les convergences de réalité. Et c'est ça, je trouve, qui est précieux, c'est de. Ok, c'est quand même fondamentalement pouvoir amener cette. J'ai envie de dire cette convergence, c'est quand même témoin d'une ouverture de cœur. C'est quand même qu'il y a d'un côté et de l'autre possibilité qu'à un moment donné, là, il y ait quelque chose qui se passe en fait. Oui, et puis j'accompagne aussi beaucoup les éleveurs, tu vois, avant que les petits partent dans leur famille. Donc, quand les éleveurs, voilà, les éleveurs avec qui je travaille, ils sont habitués, ils voient, par exemple, tout petits, ils sont déjà en capacité de dire ça va être un chiot calme, cruscalin, un peu dégourdi, un peu casse-cou, enfin voilà. Et donc, choisir la famille, tu vois, qui va correspondre, qui va pouvoir donner le maximum. Et donc certains chiots qu'il ne faut pas montrer à certaines familles, tout simplement parce que le parcours du chiot n'est pas le bon. Et comme par hasard, la famille va vouloir celui-là. Pourquoi? Parce qu'il va avoir la couleur, il va avoir ça, sauf qu'on ne choisit pas l'autre par rapport à sa couleur, mais par rapport à son chemin de vie. Il faut laisser l'animal venir vers nous, parce que lui, il le sait mieux que nous, en fait.
s'il est sur notre chemin. Et ça, c'est très, très intéressant de voir déjà tout petit le tempérament ou des choses qui nous dépassent, tu vois. Je peux te donner un exemple comme ça. Donc, je travaille notamment avec un élevage de bergers allemands noirs. C'est un travail. Donc, tu vois, ils partent au GIGN, Sécu, police nationale, police municipale, du ring, du monde du ring. Donc, quand ils sont pas au travail, c'est la compétition. Disons que quand ils lâchent pas, ils partent au travail. Et quand ils lâchent, ils partent au sport de haut niveau. C'est pas de la Et donc, figuration là. ouais, non, c'est pas de la figuration. Et la mère, très mordeuse, très, tu vois, faut retirer les petits vers cette semaine parce que si le chiot insiste trop, elle transperce, hein, passe à travers. Hein, c'est du sérieux, quoi, tu vois, c'est Ouais. vraiment. Et là, je suis la portée. Donc, il y en avait un, voilà, je mords, voilà. Puis, il l'embêtait. Donc, évidemment, lui, il était retiré de la mer, mais parce qu'il revenait, il l'a chopé par derrière au jarret. Ça devenait même dangereux pour lui, quoi. Donc, si tu veux, quand on dit hein, que chez les Malinois, les chiens de travail, il y a du sevrage à cette semaine, mais c'est parce que ils sont tellement vindicatifs et tellement dans le mordant que si la chienne, elle se retourne, elle n'en peut plus, quoi. Elle n'en peut plus, quoi. Voilà, donc tu vois, il faut à la fois leur laisser leur mordant et à la fois faire que la chienne elle puisse être un petit peu tranquille, quoi. Et là, il y avait une petite chienne dans cette portée, mais d'une douceur, d'une. Voilà, donc moi, pareil, hein, je les vois toujours sur photo, je les vois après, voilà, parce qu'allez, c'est en prenant les précautions pour qu'il n'y ait pas de maladie, tu vois, tout ça, mais on travaille beaucoup, beaucoup sur photo parce que malheureusement, une portée, c'est vite perdu, hein, si on arrive avec des microbes ou certaines bactéries, enfin voilà, quand même faire attention aux fragiles. Et la tienne, elle dit pareil, elle parlait comme ça, puis elle dit, mais moi, je suis pas comme ça, hein. J'ai rien à voir avec les autres. Hein. Moi, ce que je veux, c'est aider. L'éleveur qui me regarde avec un air catastrophé, mais qui me dit, mais comment je vais faire ça, moi? Je connais que l'armée, la police, des ringers internationaux, mais c'est une portée de chien de travail, qu'est-ce qu'elle me fait? Il me dit, mais c'est vrai, j'ai essayé de lui donner le boudin, elle se détourne, puis elle fait un air dégoûté. De toute façon, il dit, je suis content de voter la communication animale, je me demandais ce que j'allais en faire. Parce que quand on lui ment pour mordre, il y en a qui se jettent dessus, enfin bon, c'est tout un truc, faut, voilà. Et elle regarde le truc, puis elle fait un air dégoûté. Oh. Tu vois? Donc après, L'hérétique je là. l'ai vu pour de vrai, je te jure, ça vaut 10, quoi. Dans une portée de chien de travail, ça vaut 10, quoi. Tu vois? Je veux aider. Ben, j'ai dit, bah, écoutez, je vais vous mettre en relation. Hein, vous inquiétez pas, j'ai des associations de médiation, voilà, avec des associations. Et cette petite, donc elle est super contente, elle est partie pour un enfant polyhandicapé. Père et mère, chien de travail, donc père, chien de travail, et la mère, ringeuse de haut niveau. Ouais. Je ne sais pas d'où ça vient, ce mystère de la génétique, on ne sait pas. En tout cas, elle peut pas mordre. Ouais. Elle avait éclairé sa voix d'une autre manière, quoi. Vraiment. Voilà, c'est ça. Un peu, voilà. Et pour l'éleveur, c'est comment, mais je connais personne, moi, là-dedans. Hein. Et alors, comment je vais faire? Ah, ne vous inquiétez pas, on va trouver, on va, voilà, par le réseau, on va trouver, enfin, on va, voilà. Mais si tu Voilà. me permets, ça me donne l'idée de rebondir sur la relation que je traduis, moi, entre les animaux et les enfants dans les foyers. Parce que tu parles là de cet enfant et ça me vient de partager là que les tout petits, en fait, ils ont une certaine perception aussi de comment est l'animal, en fait, dans le foyer. Et c'est pas rare, vraiment pas rare, que lorsque je vais démarrer la conversation, tu vois, je demande bien sûr si la sagesse du bébé, là, elle est d'accord de partager, si elle est d'accord qu'on crée ce petit cercle sacré pour aller à son écoute. Et parfois, ça se met pas, ça vient pas. Et je demande, parce que comme ça, maintenant, là, ça me vient comme tellement évident, je dis, vous avez des animaux à la maison? Ah ben oui, on a un chat.
Je dis, ok, ben, je pense qu'il est bien là maintenant de parler au chat et de dire que votre bébé là, il est en sécurité, que c'est gentil de veiller sur lui, mais que là, pour mieux lui rendre service à ce bébé, on a besoin de pouvoir communiquer ensemble. Et en fait, l'animal, si tu veux, la présence de l'animal se mettait en travers et protégeait le bébé, protégeait l'enfant. Là, en l'occurrence, avec cette histoire de chat là, c'était une petite fille qui avait 3 ans. Mais ce chat, il s'était comme placé un peu protecteur de la petite fille. Et il se disait, ouais, c'est quoi cette histoire-là? On va comme rentrer en communication avec cette petite fille, mais moi, je veille sur elle. Et donc, il se met en travers. Et dès lors que les propriétaires ont été juste expliqués au chat, juste dire en quelques mots, écoute, là, tout est OK, on est vraiment d'accord avec ça, et c'est pour aider notre petite fille, etc. Eh ben ok, on a pu démarrer la conversation et tout était juste ouvert. Mais il y a cette relation particulière qui est là. Et qui se traduit, mais de manière à chaque fois singulière. On a vraiment l'impression que c'est comme une sorte de micro-société qui se crée en fait. Pas juste entre les parents et l'enfant, mais vraiment avec l'animal aussi. Et les animaux jouent parfois un rôle. Alors, tu sais, dans la perception de l'enfant, dans la manière dont l'enfant vit l'expérience d'avoir les animaux à la maison, il y a quelque chose de très singulier qui se passe et qui n'est pas du tout dans la sphère de perception des parents, dans la sphère de perception des adultes. Il y a quelque chose qui se met là en mots et qui est fondamentalement différent et souvent tellement beau en fait. J'avais l'autre jour une petite fille, elle n'a pas encore 2 ans. Et ok, on parle d'elle, on parle de ce qui l'occupe, etc. Puis on va vraiment, voilà. Écouter, mettre en mots, ça permet aux parents de comprendre et tout. Et puis c'est comme si c'était fini, sauf que elle, non, c'est pas fini là. J'ai encore des choses à partager, j'ai encore besoin de dire quelque chose. Et à nouveau, ça vient sur les animaux. Il y avait deux chiens en fait dans la famille. Et c'était juste mais magique parce que là, elle passait vraiment par le ressenti. Elle faisait ressentir combien, lorsqu'elle était en présence des chiens, il y avait pour elle cette relation d'amour qu'elle ne pouvait pas comme partager avec ses parents de la même manière ou avec son grand frère de la même manière. Il y avait une sorte d'ouverture, mais juste, j'ai envie de dire, tellement grandiose pour elle qu'elle pouvait entretenir en fait avec les deux chiens une sorte de... Je veux pas dire de pureté parce que là ça devient comme un peu, tu sais, ça devient comme un peu illuminé, mais il y avait quelque chose de réellement foncièrement différent. Il y avait un naturel pour elle à être en relation avec les deux chiens qu'elle pouvait pas vivre avec les parents. Et elle a expliqué ça. Elle avait comme, j'ai envie de dire qu'elle portait ça d'une certaine manière en elle. On a comme tous des affinités particulières et des facilités particulières à se retrouver dans certains environnements. Et pour elle, elle avait cette facilité du groupe, vraiment du groupe, d'avoir été comme une petite fille qui avait cette expérience d'être comme chef de groupe ou voilà, ça peut être dans un clan, ça peut être peu importe dans quelle incarnation et sous quelle forme. Et là, avec les chiens, elle retrouvait ça. Elle retrouvait cette sorte de cohésion, en fait, de groupe. Et c'était waouh, mais c'était hyper touchant et de le mettre en mots. Enfin, moi, ça passe aussi par le corps. Et parfois, les enfants, ils ont besoin de me faire ressentir pour que je puisse mettre en mots réellement, autrement que juste en mots, mais vraiment passer par la perception. Quand c'est quelque chose qui est comme très important pour eux, ils passent par là aussi. Que ce soit de l'amour, mais que ce soit aussi de la peur ou autre chose, peu importe. Mais là, waouh, cet amour tellement juste beau, quoi. Vraiment. Et du coup, c'est intéressant aussi, ça met en mots autre chose en fait. Je dis, mais c'est intéressant vraiment pour vous là, pour votre petite fille là, c'est précieux pour elle en fait. Qu'elle goûte vraiment à cette relation-là. Il n'y a comme pas d'inquiétude à avoir. Alors, c'est pas comme s'ils étaient inquiets de ça, parce que c'était la surprise de parler de ça, mais voilà, c'était comme la voix inattendue en fait. Oh oui, il y a cette relation-là, on n'aurait jamais. Oui, elle aime les animaux, mais on n'aurait comme jamais perçu tout ce qui se passait malgré tout, au-delà de ce qu'on voyait en fait. Il se passait tellement plus. C'est-à-dire que l'animal nous renvoie aussi à une forme d'amour incommensurable. Ouais. Voilà. Donc automatiquement, si on se pose et si on s'ouvre, voilà, ils ont un chakra particulier, ils ont le brachial qui est beaucoup plus développé que nous, et automatiquement, hop, l'amour incommensurable est là. C'est une des leçons de vie des animaux. Voilà.
Donc, effectivement, on peut tous le ressentir et probablement que là, tu vois, cet enfant le ressentait également. Et l'animal, de toute façon, sait ressentir aussi les tempéraments et les ouvertures de cœur. Y a un échange, de toute façon, si tu veux, qui se fait au niveau énergétique, mais qui se fait aussi au niveau d'autres modes de compréhension, de modes beaucoup plus subtils, tu vois, sur les auras, sur les chakras. Ça, moi, je suis obligée de le contacter, de tâter, je vais pas réussir à le dire, sur aussi les pathologies miroirs, tu vois, les caractères miroirs, comment ils se débrouillent pour faire travailler le caractère humain. Bah, tu vois, il y a tout ça, même très jeune, même très très jeune. Ils renvoient ça vers l'humain. Il y a une dimension qui touche les petits dans leur authenticité, qui est comme pas palpable par les adultes. Comme si l'adulte avait une certaine limite dans laquelle peut-être la perception pouvait se faire. Mais l'enfant, il n'a pas cette limite-là. Il est comme quelque chose de plus ouvert. L'histoire, il me vient comme ça de partager parce que c'est aussi quelque chose d'assez singulier, mais c'était un bébé pour lequel on met en mots qui avait un petit jumeau disparu. Les parents ne le savaient pas. Et on met ça en mots. Et puis, à nouveau, l'enfant, là, il a besoin de parler du chat. Et le chat s'est invité dans la famille. Il est venu se cacher en fait en dessous de la voiture pour se faire, voilà, pour s'approcher de la maison. Et puis ben, de fil en aiguille, il s'est fait adopter par la famille. Et dans l'histoire, ça venait dire, ben voilà, on ne sait pas bien exactement quand il est né, mais d'après le vétérinaire, c'est à peu près à ce moment-là. Et donc on a donné la date de naissance de notre enfant au chat. Tu sais, comme cette similitude-là. Et on met en mots cette histoire de jumeaux perdus. Et il y avait vraiment, alors c'est pas comme du tout une transposition, c'est vraiment pas ça, mais c'est vraiment l'image que l'animal, j'ai envie de dire, venait s'insérer dans la famille avec un contexte qui permettait en fait à l'enfant de retrouver cette forme de gémellité. Il y avait comme quelque chose là qui venait se placer et qui donnait cette réassurance à l'enfant. Et en fait, après, une fois qu'on a pu mettre ça en mots, la relation a évolué. Mais il y avait quelque chose là qui se jouait aussi et qui est comme, voilà, c'est tellement juste au-delà de ce qu'on peut voir, en fait. C'est comme, waouh. Oui, je comprends ce que tu veux dire parce que moi j'ai déjà eu des animaux qui, sur des enfants, des adultes, des personnes plus âgées, étaient en capacité de voir une trace de gémellité sur le corps et expliquer qu'il y avait un jumeau décédé, une trace de jumeau. Donc après, bien sûr, en Orient, tu vois, médecine chinoise, voilà. Ostéopathie, on oriente pour que l'humain puisse aller mieux, mais cette trace énergétique, cette trace de deuil, ou même l'endroit où l'autre corps appuyait, tu vois, j'avais le cas sur un tibia, et en fait, le tibia était déformé, et il se posait la question de, bon, voilà, c'est partie de la vie que d'avoir un tibia un peu déformé, oui, surtout parce que le jumeau appuyait là, tu vois. Et donc, ça gardait la trace, et le chien disait, c'est le jumeau, c'est le jumeau, c'est le jumeau, il y a le jumeau, il est toujours là. Et en plus, le jumeau était toujours là, tu vois, il y avait, au-delà du premier corps physique, il y avait le corps astral, il y avait les autres corps qui, eux, avaient carrément la trace de la gémellité. Donc, avec des tas de soucis mentaux, émotionnels, physiques, donc porter son jumeau, tu vois. En fait, il n'est pas dissocié. Donc, c'est se suffire à soi-même, faire bulle, tu vois, plein de soucis à côté. Ça, c'est fréquent. Ils le voient et ils le disent. Et c'est vrai que moi, j'étais aussi, tu vois, tu cites le cas
que tu veux communiquer avec un enfant, et en fait, c'est les animaux qui apparaissent ou qui sont protecteurs. Moi, je t'ai contacté parce qu'un des cas que j'avais eu, c'est notamment l'inverse. On m'appelle pour le chat, et voilà que je me retrouve avec l'enfant polyhandicapé. Et donc, toi, tu dis dans la famille, bon, est-ce que vous avez des animaux? Et moi, la question, c'est est-ce que vous auriez un enfant polyhandicapé? Oui, parce que votre chat laisse l'enfant passer. Ah bon? Oh oui. Est-ce que vous avez envie qu'on écoute votre enfant? Oui, pour ça, moi, je t'ai contacté. Oui. L'historique, ça m'arrive quand même plus souvent qu'à mon tour. Et c'est pour savoir comment donner un cadre à ça. Comment être dans une pratique honnête, légitime. Voilà, parce que pour la famille, c'est quand même pas évident. Il m'appelle pour le chat et je me retrouve avec l'enfant polyhandicapé. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Donc ça, le fait de travailler avec toi, ça a quand même éclairé pas mal de choses pour comment je dirais, mettre en mots et aplatir et mettre en protocole et permettre de rassurer les familles et aussi d'être dans quelque chose qui ne soit pas ni sectaire, ni un peu bizarroïde, quoi. Il faut Ah oui, donner un tout à fait. cadre. Oui. Voilà. Mais tu vois, le cas, toi, voilà, et tu dis, bon, bah, il y a des chats, et moi, je me trouve à, oui, mais vous avez un enfant polyhandicapé, ou vous avez une personne handicapée à la maison? Oui, en ce moment, nous avons. Bon, ben, je suis avec telle personne. Voilà. Ou un défunt. Vous avez un défunt dernièrement? Oui, je suis avec le défunt. Tu vois? Il n'y a pas d'âge pour que les animaux laissent passer. Bien sûr, s'ils sont petits et si pas loin, il y a quelqu'un avec beaucoup de caractère, ils s'effacent. S'il y a un animal malade ou quelqu'un de malade, ils vont laisser la place à la personne ou à l'animal malade. Tu vois, donc après, on peut avoir tous les cas. Je trouve que ça redonne du sens au fait que les âmes, quelles que soient leurs incarnations, on appartient au même tout. Tu vois, hop, tu veux faire l'enfant, vous avez un chat, tu vois, et moi, je veux faire le chat, vous avez un enfant. Donc, c'est là où la vie nous joue comme des tours, quoi. Tu vois, on est là à travailler, puis d'un seul coup, on a comme un flash de travail, mais comme avec Maud, hein, avec qui je faisais le papotage la semaine dernière sur les médiumnités, tu vois, et hop, d'un seul coup, pouf, on a un flash vers la spécialité de l'autre. Ouais, tout Voilà. à fait. Ça, Et c'est tellement beau aussi de voir du coup combien le vivant est relié. Tu sais, pas oui, juste voilà. au niveau, voilà, c'est pas comme juste le niveau factuel là. C'est que, waouh, la relation, ou en tout cas ce qui est aimant entre le vivant, ça se relie au-delà de ce qu'on perçoit. Comme tu expliques là, comme vraiment l'animal s'efface pour donner place. Voilà, pour offrir la parole, il y a quand même toute cette conscience là que oui, la parole aide vraiment, que la parole est nécessaire, que la parole a besoin d'être écoutée, entendue, a besoin de trouver une voie pour porter aussi du soulagement, porter enfin toutes sortes de voilà de suites, on va dire, grâce aux séances que tu proposes, mais on ressent combien il y a ce niveau de connexion qui, voilà, qui est au-delà d'eux et qui est au service quelque part. Voilà, c'est juste, voilà, offrir ce Oui. moment-là au service de celui qui en a le plus besoin. Et ça, c'est magique Oui, c'est aussi, en au fait. service. Oui, tout à fait, c'est comme toi, hein. C'est être au service du vivant, être au service de la connexion. Et quand on va regarder la photo, bon, bah, dans 80-90% des cas, on est avec le bon animal, et dans 10% des cas, on est un peu ailleurs parce qu'ils sont bons, ils sont amour incommensurable. Et il laisse la place à quelqu'un d'autre, à un autre être vivant. Voilà. Si tu veux, je suis obligée de le constater. Et quand on préparait ce papotage avec toi tout à l'heure, on parlait aussi de l'attente de
la gestation, de la procréation. Et voilà, moi, expliqué tout à l'heure, il y a un cas qui m'a beaucoup marqué, voilà, parce qu'on m'a demandé de faire une communication animale pour une jument qui vivait avec son compagnon. Il était vraiment inséparable. Et en fait, c'est le mâle, le hongre, qui a commencé à parler tout de suite. Il a dit qu'il était au courant que la jument allait aller à l'étalon. Et que la jument était d'accord parce qu'elle avait envie d'avoir un petit. Que lui, il était hongre, donc il ne pouvait pas avoir de petit. Mais ils étaient d'accord tous les deux et il allait l'élever comme son petit. Mmh. Ils allaient l'élever ensemble. Mmh. C'était une communication animale pour moi, mais très très forte parce que je ne savais rien de l'histoire. Et en plus, c'est le mâle qui a voulu parler en premier en redonnant le contexte, et effectivement elle a été gestante avec l'autre étalon, elle est toujours restée avec son compagnon hongre, et le petit est né, et elle a allaité en pâture avec le hongre qui était aussi très protecteur, et voilà, et ça s'est très 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 bien passé. Et c'était quelque chose qui était conscientisé pour eux, de ne pas priver la jument d'être mère et d'être père pour lui, au-delà de la génétique. Mmh. Et, voilà. Mmh. Et on a comme ça aussi, hein, le fait d'être amoureux pour les animaux et d'être heureux dans une procréation. Et ensuite, bien sûr, pour la femelle, d'être heureuse dans sa gestation avec tout ce qu'elle va apporter d'amour. Conscientiser ce qu'elle est en train de donner, on s'en aperçoit, quoi. Mmh. Tu vois, enfin, par exemple, quand pour les juments, quand il y a, et pour les talons, quand il y a ce qu'on appelle monte en liberté, donc ils se connaissent, voilà, et tombent amoureux, et voilà, et la jument accepte complètement les talons, enfin voilà, il y a quelque chose. Comme dans la nature, j'ai envie de dire, hein, Eh bien, on s'aperçoit que la gestation pour la jument se passe vraiment dans de bonnes conditions et qu'on a des poulains beaucoup plus équilibrés et des juments qui n'essayent pas de tuer leur petit ou de le rejeter à l'éléphant. Mmh. Elles sont heureuses, ça vient d'un acte d'amour. Mmh. Oui. C'est important. C'est puissant. C'est puissant comme entrer dans la vie. Et puis qu'elle... J'ai envie de dire quelle sécurité aussi pour ce jeune, en fait, de se sentir là vraiment pleinement accueilli, de se sentir pleinement légitime aussi. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Les bébés ont leur manière aussi de raconter ça. Ouais. Oui, et puis il faut voir aussi la voix de l'été, voir les talons quand on lui présente le petit, parce qu'il a très bien compris que c'était de lui. Là, la joie qu'il a à voir son petit, à voir la jument gestante, on voit qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est beau à voir. Mais dans les élevages, voilà, le mâle avec la femelle, voilà, c'est conscientisé et ils sont heureux d'accompagner aussi tout ce processus ensemble et en famille. Et je trouve que ça, c'est vraiment énormément sous-estimé. Oui. Même l'envie de gestation est vraiment hyper contrôlée par les humains. Et il y a quelque chose là qui ne va pas. Hein. Ça, non. Il y a quelque chose là qui ne va pas. De très, très irrespectueux. Oui. Sans tenir compte de l'envie de maternité de certaines femelles. Et aussi du manque que ça leur crée de ne pas pouvoir avoir de petits, voilà, ou au contraire de devoir en faire alors qu'elles n'en veulent pas. Voilà. Donc, les petits gardent des traces de ça. Moi, je peux que constater ça. Les petits gardent des traces de ça. Voilà. Parce qu'il y a des femelles qui vont être contentes d'avoir des petits, et puis elles connaissent le mâle, et voilà, elles sont super heureuses. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui ne veulent pas de petit. Et donc, l'encadrement du petit,
y a quelque chose où l'humain va devoir mettre la main à la pâte. Mais donc, il y a comme une rupture de transmission par le toucher, par la peau à peau, par le léchage, enfin, voilà, tout le développement de la phase anale. Et après, on peut avoir des animaux qui n'arrivent pas à le lécher, par exemple, mais tout simplement parce que ben, la femelle n'a pas pu leur dire que ça ne se faisait pas de lécher comme ça tout le temps. Voilà. Parce que pour X raisons, elle n'a pas voulu s'en occuper, notamment, ou elle ne savait pas comment s'en occuper. Elle n'était pas prête. Psychologiquement. Ouais, Voilà. toute cette part se perd vraiment du coup. Il y a un moment, ouais. Oui, je trouve que ça, c'est sous-estimé et on voit quand même beaucoup de soucis. Moi, tu vois, je travaille beaucoup sur le milieu et où justement, on va essayer de redonner du sens en travaillant sur les connexions originelles pour quand même pouvoir trouver sa place dans ce déséquilibre. C'est pas si évident que ça, trouver sa place dans un déséquilibre. Oui, quand il n'y a pas eu comme cette transmission d'héritage, là, quand il n'y a pas eu cette filiation d'une certaine manière dans, voilà, le lien vraiment de cœur aussi, mais le lien de la race, le lien des habitudes, des pratiques, oui. Oui, Oui. oui. Ça vient laisser. Mmh. Je vois comme une forme de spectre quelque part là, tu sais, comme une sorte de voile en fait, quelque chose qui est comme pas Oui, quelque chose complet. de pas net, un peu, oui, un voile, un peu, quelque chose qui pourrait aussi devenir un tabou, tu vois, quelque chose d'occulté, et on sent qu'il y a un truc. Qui ne va pas et qu'est-ce que c'est, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Et comment on vit avec ça? Tu vois? Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Là, j'ai travaillé cette semaine avec une jument et son petit. Et donc, j'ai travaillé avec le petit, avec le jeune. Qui regardait sa mère en disant mais j'ai rien à voir avec elle, elle est nerveuse, elle fait les 100 pas le long de la clôture. Je la regarde comme ça, l'air de dire non mais franchement, faire les 100 pas comme ça le long de la clôture, moi je ne fais pas les 100 pas le long de la clôture comme ça, je mange, je regarde, je veux bien remanger, je la regarde, et de dire non mais je ne vais pas la suivre comme ça, hein. Et de dire, tu vois, mais ah, je ne la suis plus, hein. Ah non. Pendant un moment, je l'ai suivi, mais là, c'est bon. Ça me Tu saoule. vois, il grandit, et il est en train de dire, ah ouais, non, je suis pas... Non, quand même, tu vois. Et la propriétaire, qui est très... qui s'inquiète, voilà, en disant, oh, je dois faire le sevrage, je dois faire le sevrage, je dois les séparer. Moi, je lui dis, vous savez, le sevrage, j'ai fait, il ne veut plus la suivre, il en a marre. Elle est nerveuse, il dit, qu'il ne lui ressemble pas. Et qu'il n'apprend pas comme modèle qu'il ne va pas faire les 100 pas long de la clôture, quoi. Il dit, ouais, elle fait les 100 pas long de la clôture, je sais, vous savez, elle est usante quand même. Il ne la suit plus. Il est déjà en train de dire, je ne la suis plus. Donc là, vous n'avez pas trop de difficultés pour le sevrage. Il en a marre, sa mère, quoi. Donc, c'est bon, vous inquiétez pas, quoi. C'est, voilà. Je pense qu'il faut, dans le sevrage naturel, il y a la mère qui éloigne le petit, mais il y a aussi le petit qui à certains moments dit ah ouais non mais là c'est bon quoi parce que quelquefois au niveau du tempérament ça ne fonctionne pas du tout. Là il avait pris du père très charismatique très calme et puis la mère une vraie girouette bon voilà. Donc ils sont capables aussi d'aller vers ce sevrage et cette mise un peu à l'écart regarder et... Le sevrage, bien sûr que chez les animaux, l'humain intervient, mais il faut savoir que si on laisse un petit peu de temps, ils sont aussi capables de dire qu'ils en ont marre les uns des autres. Voilà. Et que même si, par exemple, une mère peut tout à fait vivre avec sa fille, voilà, mais il va garder de l'amour, de la proximité et tout ça, mais en même temps, il y a quelque chose de raison gardée. On sait qu'à un moment donné, on a affaire à deux adultes. On a affaire à... Tu vois? Donc le sevrage se fait. Bien sûr qu'il y a l'affectif, il y a tout ça, mais il y a quand même une séparation.
qui se fait. Oui, qui se dessine et qui s'installe naturellement. Oui, Ouais. oui, oui. Mmh. Du Et côté humain, il y a une intervention comme plus mentalisée beaucoup, hein. C'est vraiment un sujet qui est assez, assez controversant, j'ai envie de dire, la notion de sevrage. Il y a comme vraiment ces mamans qui, quand elles ont choisi d'allaiter, sont sur la voie de revenir à quelque chose de vraiment très naturel, d'une certaine manière, mais qui est comme dans pas mal de situations, moi, que je rencontre. Oui, il y a ce vœu de revenir à quelque chose comme d'intuitif, de vraiment là qui vient de ses perceptions personnelles pour allaiter, mais comme moins pour terminer, moins pour sevrer, moins pour comme dire, ok, là maintenant je rends comme l'autonomie aussi à mon bébé, à mon enfant. Et cette notion-là, là, il y a comme encore j'ai envie de dire, un temps pour que ça vienne mieux s'installer naturellement. C'est comme si aujourd'hui, tu sais, on a comme beaucoup œuvré là pour ramener l'allaitement quand même à plus de présence là voilà, pour les bébés aujourd'hui, et pas comme il y a, je sais pas, 20 ans, 30 ans, où c'était comme vraiment tellement marginal d'allaiter. Aujourd'hui, là, vraiment, c'est comme encouragé, il y a comme beaucoup d'efforts qui sont mis pour que ça arrive jusqu'aux mamans, même si ça reste quand même encore j'ai envie de dire dans certaines sphères, hein, c'est comme pas dans toutes les maternités, mais peu importe, il y a quand même vraiment plus un retour à ce souhait d'allaiter, et de manière comme vraiment venant du cœur, là, quelque chose d'assez, je vais pas dire instinctif, mais quelque chose qui vient vraiment, voilà, de cette nature maternelle. Mais pas pour autant pour le sevrage, c'est comme si c'était pas encore pleinement établi. Que oui, il y a aussi cette notion de ressentir ce qui vient vraiment juste depuis la maman aussi. Et quand on parle de sevrage chez le petit d'humain, j'ai envie de dire, quand c'est le petit qui manifeste qu'il n'a plus envie, là, c'est plus son truc, il est comme distrait, il a envie de jouer, enfin voilà, il veut passer à autre chose, alors là, la maman s'inquiète. La maman vient dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que voilà, il y a comme une zone de flou là qui n'est pas encore comme bien retrouvée en fait pour la maman. C'est marrant, hein, parce que le bébé est comme plus dans la possibilité à un moment de prendre son autonomie, et pas toujours du côté de la maman. Cette notion-là comme intuitive se remet pas avec autant de facilité. Enfin, c'est ce que je perçois dans ce que je rencontre comme situation, hein. Mais ça fait pas comme vérité générale, mais Oui, si tu veux, ce que je peux te dire, c'est j'ai eu une chaîne de travail en sécurité. C'est la première chose qu'elle me dit. Donc, je ne savais pas du tout qu'elle venait d'avoir des petits. Tu vois, parce que ce n'est pas la chose dont elle me parle. Mais la première chose qu'elle me dit, bon, allez, c'est bon maintenant, je retourne quand au travail? Donc, les vœux, ce qui fait ah bah au moins ça mérite d'être clair. Ouais, donc, je ne savais pas qu'ils étaient éleveurs, donc je ne risquais pas de savoir qu'ils avaient des chiennes en élevage avec des petits. Tu vois, moi j'ai les coups de téléphone, je ne sais pas forcément que c'est des éleveurs au bout quand c'est des nouveaux clients. Alors je dis bah écoutez, là ça mérite d'être clair. Elle me dit bah, de toute façon, elle est obligée d'y enlever les petits parce qu'elles vont en tuer un, quoi. Plus de patience, plus rien. Et puis, il commence à avoir des toutes petites dents. C'est clair, ça lui fait mal. Elle n'est pas maso, quoi. Elle n'est pas maso, quoi. Et elle aime bosser. Donc, il y en a qui sont un tout petit peu maso, qui ont un petit peu de patience et tout. Mais alors, elle, zéro patience. Ouais, c'est bon, là. Le boulot, c'est quand? Envie de sortir de l'élevage. Envie d'aller bosser, quoi. Envie de. Tu vois? T'as envie de rester là, envie de sortir, voilà. Tu vois? Donc, ça peut, voilà, ça peut arriver. Après, ce qu'on s'aperçoit aussi chez les juments, c'est que
ont des rôles très importants dans la communauté, parce que, si tu veux, elles vont guider vers le point d'eau, elles vont guider pour la sécurité, enfin, elles vont faire le rôle de l'étalon, en fait, s'il n'y a pas d'étalon. Donc, c'est quand même des juments de gros caractère. Et en fait, quand elles vont avoir leur petit, à partir du moment où elles vivent en troupeau, elles se remettent à travailler tout de suite. Donc, que le petit soit là et qu'il faille l'allaiter ou pas, au boulot. Voilà. Donc, allaiter, regarder et dire, oh là, j'ai senti ça, là, il y a ça. Ah, enfin, voilà, tu vois. Donc, dans le calme, hein, beaucoup, c'est des profils d'une sérénité incroyable, mais vraiment des bosseuses qui préviennent le groupe. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que ces juments-là, elles laissent énormément d'autonomie à leur petit mâle et à leur petite femelle, parce qu'elles bossent à côté. Donc, elles les laissent s'éloigner. Elles ne font pas, quand il a fait 10 pas, en train de dire, je suis là, je suis là. Non, non, elles sont en train de travailler, donc elles les laissent avoir de l'autonomie. Et donc, on s'aperçoit que, si tu veux, les juments de tête, en fait, eh bien, vont faire des lignées de juments de tête. Donc, toutes leurs filles sont des juments de tête, parce que, tout simplement, elles les laissent aller dans l'autonomie, donc trouver leur voie, revenir quand elles doivent revenir. Et du coup, ce sont des juments qui vont avoir une facilité à prendre des décisions. Voilà. Et avec leurs étalons, là c'est assez rigolo, on est à peu près à 50-50, où elles laissent énormément leurs jeunes étalons prendre de l'autonomie. Et il y a 50% là, on ne sait pas trop pourquoi, elles sont hyper protectrices avec le jeune étalon. Mais presque castratrice. Un garçon. Drôle. Très drôle. Et là, du coup, on se retrouve avec des étalons proches de maman. Ne bougent pas. Tu Petits vois? chouchous. Qui vont sous. Tu vois, les étalons qui vont faire un tour et tout, allez, ils vont soit rester étalons, soit être ongres, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça près de maman. Qui vont aussi devenir des chevaux entiers et qui n'ont pas forcément, donc qui ne sont pas castrés, mais qui n'ont pas toujours forcément avoir envie d'une sexualité. Et des chevaux qui, vraiment, on n'a vraiment pas besoin de les castrer pour quoi que ce soit. Enfin, pour moi, déjà, on n'a pas besoin de les castrer, donc déjà, ça commence comme ça. Mais là, si tu veux, il y a vraiment aucun comportement typique des talons. Ils sont juste comme ça, proche de la jument de tête. Ouais. C'est une Ils sont manière drôles. naturelle comme Ils sont d'organiser le groupe, de vraiment comme drôles. Oui. permettre Après, ils se à recherchent chacun de quand prendre même. sa Hein. place. Oui, après, ils sont souvent, si on les laisse hein, vers 10 mois, 11 mois, comme gestation, c'est 11 mois, à l'arrivée de celui d'après, les mères, c'est quand même un bon coup de pied. Hein, pour, hop, hein, pour laisser le lait au nouveau. Faire la mise bas, être tranquille, et puis là, il y a quand même des dents, hein, donc voilà, donc allez, le sevrage normal se fait faire vers 10-11 mois où ils sont éloignés, et puis de toute façon, ils chassent les étalons, hein, les femelles chassent les étalons, voilà, pour éviter les risques sexuels, et les étalons chassent les petites pour éviter tous les problèmes de consanguinité, d'avoir des rapports sexuels avec leur fille. Il y a quelque chose de très sain aussi sur le fait de chasser, hein, les jeunes qui deviennent à maturité sexuelle. Ils sont chassés. Oui. Il faut qu'ils aillent faire leur groupe ailleurs. Voilà. Ils aillent faire leur nid ailleurs. Oui. Ça aussi, c'est des leçons, hein, quand on regarde leur façon d'organiser les meutes ou les hardes. C'est intéressant parce qu'on voit que sans aucune intervention, tout est déjà juste. C'est ça comme ça vient Oui. comme tellement encore plus mettre en lumière l'inadéquation là de toutes ces interventions qu'on connaît dans voilà dans le monde. Mais tu parles beaucoup du monde équestre, mais je veux dire tu sais les éleveurs de toutes sortes là qu'on a autour de nous ici dans les campagnes. Je veux dire c'est le même principe quoi. Il y a comme plus vraiment c'est encore rare de trouver comment j'ai envie de dire.
Le fil de la nature, là, authentique. Oui, il y a encore beaucoup d'éleveurs, plus qu'on ne le croit, hein, qui ont des taureaux ou qui ont des boucs, hein, chez les chèvres, c'est fréquent. Dans les élevages à vaches assez traditionnels, vous avez toujours le taureau. Il aime ses vaches, quoi. C'est beau à voir, mais il aime ses vaches. Et on a des vaches, quelquefois, voilà, qui ont pu avoir des problèmes de trillons, donc elles sont sorties, puis on dit, bon, on ne va pas les faire gestantes et tout. Et puis l'année d'après, elles font un veau, mais parce qu'elles se sont barrées voir le taureau. C'est parce qu'elles l'ont vraiment voulu, leur petit, quoi. Voilà. Donc, un petit veau surpris, ben, de où il sort celui-là? On ne l'a pas mis au taureau. Non, elle s'est barrée, elle est allée voir le taureau. Voilà. Donc, ils sont capables de prendre des décisions. Et c'est beau de voir l'attention du taureau, même, voilà, il est dans son parc, voilà. Mais c'est beau, quoi. Avec la force qu'ils ont, s'ils veulent passer à travers les barrières, ils passent à travers les barrières, hein. Voilà, il n'y a pas de Oui, souci. c'est pas Donc, le fil qui les arrête. et ils ne le font pas, et voilà. Bien sûr qu'il y a des accidents, bien sûr, voilà, c'est quand même des animaux très imposants, mais il y a cette attention. Quand on le regarde le taureau en train de regarder les veaux, c'est magnifique. Il y a vraiment des regards qui sont portés, qui sont beaux. Et enfin, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion du coup d'écouter ces jeunes qui ont été inséminés, dont on connaît pas forcément, enfin tu sais, il y a pas comme le père qui est à proximité. Moi, je pense à ça parce que on a des brebis, mais on n'a plus de mâles. Mais il y avait cette notion vraiment de troupeau avec le mâle qui était là. Mais je connais aussi des gens qui ont des moutons sans avoir le mâle et qui font pourtant faire des jeunes à leurs brebis sans jamais avoir vu de mâle. Je me pose la question du coup, comment c'est là pour la perception des jeunes? Tu parlais de ces sentiments d'appartenance, de modèle, de pouvoir s'identifier, d'avoir comme un, j'ai envie de dire, voilà, un référent d'une certaine manière. Là, ça devient comme un peu délité, non? Enfin, comment ça se passe en fait là du coup, dans ces cas-là? Bah, écoute, ce qu'on peut essayer de se dire, c'est que c'est quand même une forme de viol. Et donc, il n'y a pas de conception dans l'amour. Et on peut s'apercevoir aussi qu'il peut y avoir beaucoup plus de rejet du petit à la naissance. Là. Donc, c'est un faux calcul de dire qu'on fait des économies parce qu'il n'y a pas d'étalon. C'est vraiment un faux calcul. Il y a une célèbre éthologue anglaise qui a fait toute une étude là-dessus et qui montre qu'on a, par exemple, chez la jument, aux alentours de 15 à 30 % de rejet chez les clinipares quand il y a des talons. Donc, il faut quand même aider, il faut accompagner, voilà. Mais on peut monter à 70 % de rejet quand c'est une insémination artificielle, quand la jument a été entravée, quand c'est un viol. C'est des animaux hypersensibles et il peut y avoir rejet, quoi. Voilà. Donc en gros, c'est pas du tout. Et puis attaque aussi, hein, ils peuvent vous tuer. Hein, donc c'est pas du tout rentable, en fait. Elle a réussi à prouver ça, que c'était pas du tout rentable de violer les animaux. Voilà. Au départ, c'est un calcul financier. Et allez, ça. Oh, je vais remettre. C'est On va vraiment. te retrouver. Oui. Voilà. Donc, elle a réussi à prouver ça. C'est vraiment une étude intéressante. A Tu souhaité vois, que ça fasse ils ont son des chemin, ongles ça. de. Oui, ils ont. Ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant hein, qu'elle a fait cette étude-là en éthologie. Mais pour moi, c'est comment. C'est aussi que la jument ou la chienne, voilà, c'est quand même moins fréquent chez les chiennes, mais c'est aussi ce que la jument va transmettre ou ce que la vache va transmettre. Parce que quelquefois, les primipares ne comprennent pas bien quels sont gestants. Parce que tout le processus de tomber amoureux, d'être en amour,
ne s'est pas déclenché. C'est bypassé, quoi. Il y a comme... Ouais. Oui, et puis le fait de ne pas avoir d'apprentissage avec d'autres juments autour, peuvent aussi montrer qu'elles sont gestantes et que du coup l'apprentissage se fait. Voilà, il y a une transmission dans la harde, dans la famille. Voilà. Dans les élevages, ils savent, c'est très très beau à voir, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Donc il y a quelque chose de la mainmise de l'humain sur la procréation de l'autre ou la non-procréation de l'autre. Oui. On fait quand même aux animaux ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Bah, tu sais, si... Effectivement, il y a une souffrance par rapport à ça. Ouais. Enfin, évidemment qu'il y a une souffrance. Bien sûr. Ouais, bien sûr, totalement. Ouais. Et pour autant, on a, je trouve aussi en ce moment, du côté comme humain, là, vraiment, ce besoin aussi de revenir à la conscience dans la conception. Il y a comme un appel, en fait, aussi, d'une certaine manière, pour ces jeunes enfants-là qui s'en viennent maintenant avec comme cette conscience-là assez fort éveillée, vraiment cette conscience présente. Il y a vraiment ce besoin qu'il y ait de la conscience qui soit mise sur la conception. Que ça soit pas comme... J'ai régulièrement des parents qui me disent, bah en fait c'est un bébé surprise quoi, on savait pas. Et le bébé il vient avec ce bagage-là et il raconte les tourments de la maman pendant les premières semaines ou les premiers mois de se demander, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce bébé? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Un jour oui, un jour non, et comment faire? Et j'ai été au rendez-vous, puis j'ai pas pu, puis... Et le bébé, il a comme vraiment du mal là, à trouver comme sa sécurité, son ancrage en fait, parce que il a évidemment perçu toute cette vibration-là qui émanait de la maman ou des parents ou de parfois même l'entourage qui vient comme juger aussi ça, etc. Et c'est très compliqué pour le bébé d'avoir, de se sentir bien sûr accueilli et de se sentir venir faire un chemin en conscience. Vraiment comme s'engager, c'est quand même tout un engagement là de s'incarner, c'est comme pas banal, là c'est quand même vraiment un grand cap et un grand moment, c'est tout ce début de vie, c'est comme toute la fondation qu'on est en train de placer, et là c'est une fondation qu'on met mais sur des sables mouvants quoi. Je viens pas, je reste pas, est-ce qu'on veut de moi, etc. Il y a tout ça qui se joue en fait. Et donc ils mettent ça en mots les bébés, et ils en gardent un certain trauma quand ils peuvent le mettre en mots. Ils en gardent un certain trauma de aussi dans la fiabilité ou dans la sécurité quelque part qu'ils vont pouvoir attendre de leurs parents. Dans tout ce contexte en fait de ok là je me sens à l'aise de venir, je sais que tout est bon pour moi, je sais qu'il y a comme cette base sur laquelle je vais pouvoir me construire, moi je vais pouvoir grandir. Quand en amont il y a comme cette notion de de bébé surprise ou de un des parents veut vraiment puis l'autre pas, etc. etc. C'est comme très compliqué pour l'enfant. Et ce qu'on constate, c'est pas moi qui pond ça, mais c'est dans les chiffres qui viennent maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de conceptions assistées par les process médicaux. Alors là, je parle comme juste du process médical, je parle pas de tout ce que ça peut revêtir, etc. Mais c'est comme si c'était l'occasion pour le bébé de ressentir la conscience que les parents mettent dans le désir d'avoir l'enfant. Comme s'il fallait passer par là pour que les parents remettent en conscience ce chemin-là de devenir parents. C'est comme vraiment assez incroyable. Mais il y a ça. Et ok, c'est comme le chemin qui est choisi là, mais il y a ça, c'est pas la voie unique vraiment. Moi je suis comme ardente, j'ai envie de dire, je vais pas militer, mais en tout cas, je suis vraiment fervente croyante là que on va pouvoir ramener aussi des moments vraiment de conception qui sont conscients, qui sont sacrés, qui sont des moments en fait de rencontre en fait. Où les âmes se donnent rendez-vous, où il y a vraiment, et certains parents le témoignent avec énormément d'émotion et de beauté
de lorsque c'est réellement vécu en conscience. Waouh, quel moment magique se passe là! Et là, le début de vie de l'enfant, il est totalement différent, évidemment. Il a tissé quelque chose d'unique, en fait, avec ses parents. Il y a déjà cette co-création à trois. C'est pas juste les parents, c'est aussi l'enfant. Et il y a vraiment quelque chose là de très très précieux qui se place et qui va venir vraiment profondément dans la structure de l'enfant, en créer quelque chose de fort, vraiment de puissant en fait, dans la reconnaissance de qui il est, dans sa venue à lui, dans sa, j'ai envie de dire, dans la certitude, dans son aplomb. Quelque chose de très très fort en fait qui se joue à ce moment-là et qui est comme tellement contrasté par rapport à d'autres scénarios. Il y a vraiment là une ouverture vers quelque chose d'autre là qui est en train de s'amorcer pour qu'on ramène vraiment de la conscience sur ces moments-là particuliers. Quand tu témoignes, Lucille, de la manière dont, bien sûr, ces process sans mal, ces process vraiment comme détachés de toute cette de tout ce cheminement-là presque sacré, hein, de la De rencontre, l'amour, oui, c'est détaché l'amour. de l'amour, c'est détaché du sacré de l'incarnation et de la désincarnation, c'est détaché du cycle en fait. Le cycle est Oui. rompu. Oui. Ouais. Là, je pense qu'il y a aussi une voie de convergence, tu vois, dans ce qu'on fait à Oui. ce moment-là. À ce moment-là, tellement c'est aussi de ramener de la conscience sur le précieux de la vie, sur le sens qu'elle porte, sur la source dont elle est issue. Et même si ça marche comme autrement, est-ce que réellement c'est là l'essence? Et tu le témoignes hein, dans ce que disent les jeunes, dans ce que disent les mères là, qui peuvent pas comme accepter leurs jeunes, qui pour qui c'est comme improbable là, ou de trop, ou... Donc il y a quand même tout cet héritage-là qui peut être tellement, j'ai envie de dire, passé comme obsolète, là, si on est à l'œuvre pour permettre qu'il y ait comme vraiment plus de conscience, on peut aussi. Voilà, et puis respecter, tu vois, ce sacré aussi de la conception et de l'amour de deux êtres. Tu vois, je trouve que ça, c'est hyper important pour que l'âme incarnée, elle puisse aussi cheminer, tu vois, pour l'animal, en ayant conscience des ancêtres, parce qu'ils en parlent. Ils parlent de leur vie, ils parlent des ancêtres. Il faut aussi savoir, tu vois, que moi je suis confrontée aussi, quand je suis confrontée, parce que c'est pour moi c'est à chaque fois une surprise, mais je peux avoir des chiens qui disent qu'ils sont lisses. Ouais, c'est le mystère de la génétique. Confondus. Ils me disent, oui, mais enfin bon, là, moi, je suis pas un chien, hein, je suis loup. Donc, je suis sur la réserve, j'observe beaucoup, je suis pas rassurée du tout avec les humains. Alors, pas du tout. Énorme méfiance par rapport aux humains. Flout, non, comment qu'on fait ça? Heureux, froussard, fort aux aguets, penser à se barrer, ne pas être bien dans la domesticité, ne plus pas comprendre ce que ça peut apporter, ce truc-là. Ne pas vouloir obéir, bah voilà, parce que ne pas accepter, tu vois, le pacte de domesticité. Mais il faut savoir que ça, je l'ai avec des chiens, bien entendu. Quand je dis toute race confondue, c'est quand même plus fréquent chez les archaïques, donc bien sûr chez les chiens loups, mais aussi, tu vois, tout ce qui est husky, malamute, voilà. Mais je l'ai aussi eu chez un boxeur. Les races de chiens sont issues de deux loups, deux types de loups. Donc, tout type de chien peut l'avoir. Bien sûr que
chats, certaines races, tu vois, qui ont été enrichies dernièrement avec des chats sauvages ou des choses comme ça. Ça peut arriver. Quand on se retrouve avec un chat sauvage, c'est impressionnant sur la façon je fais ce que je veux, comme je veux, il faut que je me cache, il faut que j'ai un endroit pour me terrer, je sais que j'ai telle couleur, donc je me mettrai tel truc. Oh, celui-là, il a du blanc, les blancs, il faut les tuer, ils sont repérables, ils nous ramènent. Oh, voilà, c'est tout un contexte du sauvage, quoi, de ne pas accepter d'autres choses sur le territoire. Mon territoire, mon territoire, mon territoire, personne sur mon territoire. Mon territoire, c'est mon garde-manger, donc personne. Pouf. Voilà. Donc, bon, ok. Hein, voilà. Donc, redonner du sens, là, tu peux t'apercevoir que tu es nourri tous les jours. Ah ouais. Ah, bien. C'est très intéressant, ça, parce que je ne sais pas trop si ça arrive aussi chez les humains, mais moi, je suis intimement convaincue qu'on a des savoirs et des compétences, que ça ne vient pas juste de la génération d'avant, quoi. Il y a des trucs très, très, très anciens qui nous arrivent, tu vois. Savoir-faire, ça ne vient pas de nos parents, ça vient de... Voilà. Et chez les animaux, quand on le vit, quand on le ressent dans la communication animale, c'est waouh, parce que là, d'un seul coup, on est avec le sauvage, tu vois. On est avec des compétences archaïques, des compétences sur les couleurs, sur le territoire, sur le salut, c'est la fuite. Obéir, pardon, obéir. Quel est l'avantage de ce truc-là? Voilà. De toute façon, c'est beau de Donc, venir remettre en question ce qui est établi d'une certaine manière, ou en tout cas ce qui a été comme à un moment donné, on va dire, acquis ou pris pour acquis. Et là, de remettre ça en question, du coup, par les circonstances qui se présentent, de pouvoir rester à nouveau comme juste ouvert à l'essence de ce qui est, en fait, rien forcer, pas vouloir comme passer au travers, mais juste aussi reconnaître ce qui est. Et d'une certaine manière aussi, ramener l'humain dans son humilité, à respecter juste ce qui est. oui. L'archaïque, comme ça, le loup, hein, ou le chat sauvage, sont extrêmement stressés. Hein. Ils nous fréquentaient, il a la vie de domestication. Comme ils sont toujours en éveil, la vie sauvage est dangereuse, donc ils sont toujours aux aguets. Et comme l'humain est extrêmement bruyant, il y a beaucoup d'odeurs. Enfin bon, et à toute façon, c'est du stress en permanence, avoir aucun trou de forêt pour aller se mûcher et enfin faire ouf. Ils l'ont pas, avec l'humain. C'est très difficile à trouver ça dans le monde humain. C'est très intéressant de voir là les besoins archaïques quand même des espèces et comment nous, on est éloignés des besoins archaïques qu'ils ont. Des besoins éthologiques, tu vois. Ça aussi, c'est intéressant. En dehors du modèle, tu vois, qu'ils peuvent ne pas avoir, qui sont élevés dans un monde humain. Donc déjà, comment on trouve sa route par rapport à ça? Et puis après, quels sont les besoins? Et toujours ce truc de se dire, l'humain fait au mieux, voilà, mon chien sort plus que certains chiens qui sont en maison. Oui, d'accord, mais il sort dans quelles conditions? Il sort sur du macadam, il sort en laisse ou pas? Quelles sont ses interactions avec ses congénères? Quelles sont ses interactions dans un milieu naturel, de forêt, de parc, voilà, de champ? Qu'est-ce qu'il a comme sollicitation au niveau visuel, auditif, olfactif, dans les courses, dans le développement musculaire? C'est tout ça. Si on dit juste, mon chien, il fait trois promenades par jour en laisse. Oui, enfin, bon. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Est-ce que
son besoin. Est-ce que la laisse est un besoin ou est-ce que c'est un problème humain? Voilà. Je trouve que là, on demande énormément à l'animal de s'adapter et on en voit quand même des effets sur les pathologies. Hein. Voilà, pathologie musculaire, osseuse, hein, mentale, vieillissement prématuré, cancer. C'est quand même lourd, quoi, si tu vois pas notre mode de vie. Ouais. Et là, ça vient replacer, ok, ouais, notre légitimité dans tout ça. Oui, voilà. Il y a cette, toute cette notion-là, en fait, quelle est réellement là le, hein, l'envergure ou en tout cas la juste place légitime oui, de la ce qu'on. juste place. Tu as raison, c'est quelle est la juste place pour cet accompagnement d'une âme. Tu vois? Mais je pense que ça le pose aussi dans le contexte humain que toi tu as. Hein. Bien sûr. Ou tu vois, en ces périodes-ci, qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Qu'est-ce que ça veut dire faire venir une âme? Ouais, je trouve que ça pose énormément de questions. Et dans le monde animal, c'est exactement la même chose, quoi. Qu'est-ce qu'on va lui offrir à cette âme? Voilà, comment on va l'accompagner dans le monde dans lequel on vit. Oui, c'est tout à fait actuel et c'est heureux qu'il puisse y avoir des espaces d'ailleurs. Vraiment, merci à toi, Lucille, d'ouvrir ce genre d'espace pour qu'on puisse justement se poser les questions et avoir des points comme de réflexion, des points de discernement aussi à travers ça. Oui. Ouais. Oui, bah écoute, c'est avec plaisir. Hein. Je propose qu'on termine là-dessus. Qu'en Merci pense à Laurent? toi, vraiment, pour cette Bah, écoute, rencontre. avec un grand, grand plaisir et bonheur. Et puis, on va en refaire parce que j'ai envie aussi qu'on parle des ondes porteuses de la parole. Tu vois, parce que ça, c'était pas le but de ce papotage ici, mais j'ai envie qu'on fasse un papotage sur la parole qui soigne, la parole qui guérit. L'explication, tu vois, quels sont nos mots, parce que c'est quelque chose d'important de pouvoir briser des tabous et remettre les mots là où ils doivent être mis, pour pouvoir redonner comme une échelle de valeur et de conscience Ouais, à l'animal avec et toi, peut-être aussi pour l'enfant. Donc je pense qu'on a encore des beaux papotages à toi. arriver. Certainement. Voilà. Voilà. Juste avant qu'on termine, Manon et Yvette, avez-vous une question? Pas qui me vient, non. Pas de question. Bon ben, pas de question. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci de nous avoir rejoints. Oui, et merci à vous. Enregistrement et vous le retrouverez sur YouTube. Voilà, on vous mettra les liens. Okay. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui. Merci à vous, merci Lucille de tout cœur pour ce moment partagé. Merci. Belle soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.